Moi, je pense que nous devons demander, au niveau européen, des sanctions contre le gouvernement d'Israël, et notamment des sanctions financières, parce qu'il n'y a aucune raison qu'on continue à aider financièrement un pays qui refuse d'entendre raison et refuse de faire cesser le massacre à Gaza. Deuxièmement, je pense que la France s'honorerait si, à son tour, elle saisissait le tribunal pénal international. Quitte à, s'il le fallait, un jour ou l'autre, retirer la plainte du moment qu'on ait entendu raison de l'autre côté, et notamment que le massacre cesse. Rien n'est plus urgent que d'arrêter le massacre. Il faut arrêter le massacre parce que toutes les vies qui se perdent, c'est autant de moins, non seulement quelque chose dont nous sommes responsables, parce que ça se déroule sous nos yeux, mais c'est autant d'opportunités, autant de talents, autant de chances, pour ce qui finira inéluctablement par se produire, c'est-à-dire la création d'un État de Palestine sûr, dans des frontières stables et reconnues et viables, aux côtés de l'État d'Israël.